Wesh les potos, c'est Sois Cool au Mike et petite information en description de cette vidéo, il y aura un lien pour vous faire gagner un AverMedia, donc n'hésitez pas à tenter votre chance pour participer à ce tirage au sort. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos des défis de la semaine 3 de la saison 4 du pass de combat. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter tous les coffres de Lonely Lodge tout simplement. Alors je me suis mis en mode studio pour voir l'entièreté des coffres de la ville. Alors première chose, je vous conseille fortement d'aller en mode Thanos pour le faire, comme ça ce sera plus tranquille parce que si vous faites une partie normale, logiquement, il y aura blindés de monde qui iront sur Lonely Lodge pour justement ouvrir leur coffre. Et en plus de ça, il y a des canards à Lonely Lodge, donc ça augmente les chances de tomber sur des ennemis. Et si on va en 50 contre 50, là vous avez peut-être un petit peu de chance si c'est pas dans la zone. Donc voilà, à vous de voir, après vous faites ce que vous voulez. Donc c'est parti, on va commencer d'abord par la tour, parce que dans cette tour, il y a trois coffres. Il y en a un à l'extérieur, comme on peut le voir, il y en a un juste en dessous là, et il y en a un à l'intérieur, donc juste ici. Quand vous entrez dans la petite cabane, y en a un juste là. Alors voilà, alors là, il y en a un autre dans la petite cabane juste ici. Donc ça faisait déjà 3. Donc là, c'est le quatrième. Donc il se trouve dans le petit toit de la petite cabane. Voilà. Il y en a deux autres qui se trouvent là juste au-dessus. Juste ici au-dessus. Comme vous pouvez le voir. Et il y en a un autre qui se trouve juste en dessous aussi dans la montagne. Juste là, voilà. Juste ici. Alors, il y en a encore un. Non, il y en a encore trois ici. Non, deux, ouais. Il y en a deux. Il y en a un qui se trouve dans la petite maisonnette ici. Donc, juste ici à côté de l'étagère métallique. Il y en a un autre qui se trouve dans la petite maison là. Dans le toit. Ouais, dans le toit, c'est ça. Juste ici. Et il y en a un autre qui... il y en a trois autres plutôt qui se trouvent dans, dans le gros chalet, juste ici. Donc, il y en a un dans ce toit là. Il faudra casser... le toit qui... le mur qui se trouve derrière la chambre. Donc à droite de la chambre, il y en a un aussi. Et il y en a un de l'autre côté. Donc là, il faudra mettre une plateforme pour passer à travers ce mur-là. Et il y en a un qui se trouve juste là. Alors il y en a un autre aussi qui se trouve... ça, c'est le dernier. Celui-là, il se trouve, je pense, soit en bas ou soit en haut. Donc apparemment, c'est pas en bas. Non, c'est pas en bas, donc c'est en haut. C'est dans cette petite maison, alors, normalement. Voyons voir, voyons voir. Quoique, peut-être dans le toit. Ouais, c'est dans le toit, voilà, c'est dans le toit qui se trouve. Donc voilà, là je vous ai montré tous les coffres de Lonely Lodge. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace.